Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel RP avec Gangimal, Soligus Tax, Dragon Food 4 et Red Killer Produit 07. Bonjour. Yo. RP, je sais pas comment on est en RP, je vais réfléchir au moment que je me traite. Voilà. N'hésitez pas à laisser vous appeler et moi je vous dis à tout à l'heure pour la fin de guerre. Ethan? Ouais. Ok, tu es prêt pour se cracher dans la ville? Faut qu'on ouais. J'ai mal à terre. Quand je t'ai levé. Ouais. Je suis prêt direct. Bon, t'es prêt, je tire. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Migo. Attends, je crie. Tout le monde à la mairie! Madame, arrêtez-vous. Faut que je me mette au régime. Stop, mettez-vous dans les escaliers, arrêtez-vous. Monsieur, aussi. On a fait quoi? Pourquoi vous nous pointez? Non, venez contre le mur, on va vous expliquer. Alors déjà, on arrive avec un avion. Taisez-vous. Il y a une météorite qui va là se cracher dans la ville. Si vous voulez sauver votre ville, et ben vous avez intérêt à venir, ok? Mais depuis quand elle est là? On l'a jamais vue. Bah regardez juste. Elle est un peu bizarre. Vous la voyez pas la météorite? Mais attendez, elle est au-dessus de quel bâtiment? Là, le bâtiment, le magasin. Bah juste au-dessus d'où en fait. Au-dessus de la grue, regarde. Là, ta tête. Ah ouais. Voilà. On devrait faire vite, hein, parce que j'ai pas envie de me faire écraser. Déjà, on va en prendre deux avec nous. Ok. Ok. Qui est le premier à venir? Moi, je veux bien. Ok, je prends là le gros. Honneur aux dames. Prends le gros et la meuf là. Au pire, je vais vous prendre tous les trois, vous n'êtes pas nombreux. Ok, regardez notre avion. Ethan, tu peux utiliser ton build de course? Ouais, je comprends pourquoi il a été écrasé parce qu'il n'a pas de licence. Il n'a pas de licence. Voilà. Allez, venez. Bon, j'utilise le vol, ok? Et la destruction auto. Bon, on est vide, mais bon. Je crois que je vais mettre devant. Parce que moi j'ai pas envie de tomber dans Regardez, là si je veux, je peux tout vous faire sauter. Merde, on a tué quelqu'un. C'est sympa. Ouais, attends, je vais la rechercher. Quelqu'un peut m'aider? Ils sont pas fuites, hein, c'est pas ça. Comment j'ai remonté? Au pire, tu peux la porter dans l'avion, ça sera plus facile. Non, on peut pas. Vous êtes sûr que c'était plus? C'est normal, votre avion, il a pas d'hélice. Si, il y en a devant. Ouais, il y en a devant, mais en fait, c'est que... Vous avez juste pas quelque chose à manger, je sens. Non, on a rien mangé. Parce que je sais pas si vous saviez, mais ici, on est dans une ville un peu pauvre. Tenez les poissons. Airbus 380. Oh, merci. 30 degrés vers le sol. Oh!
Merci pour les poissons. Alors, monsieur bah oui. On va commencer par vous. Il y a une arme. Et d'un coup, vous allez passer à la... toi, on pourrait... Attends, on regarde dans mon fichier d'armes. On pourrait te donner... Waouh, on est assez haut là. C'est un tireur de gros. On est haut là. Ça va faire cabouille. Pas beaucoup maigrir, ok. 3, 2, 1, reculez. Allez dans la salle du pilote. Il va tomber et d'un coup il va revenir et transformer. Adieu. Ah bah voilà, maintenant t'es un super héros. Bon, maintenant on va juste te donner une arme, ok. Passe-moi le double pistolet, s'il te plaît. Non. Sans merde. Mais je t'avais pas donné une arme. Ah si, je t'avais donné ça. En fait, je t'ai tombé et tu l'as perdu, c'est normal. Vas-y, tente de tirer. Essaye de tirer le lion. Ah, ça va être un. Maintenant la pile. Bougez. Je suis obligé de lui faire ça. Oh non, mais j'ai déjà remonté. Je vais pas rebalancer, hein, je me voilà. Je sens bizarre. Bizarre. Par contre, vous pouvez m'expliquer pourquoi mon compagnon aussi s'est transformé. Ouais, ça c'est normal. Et lui, il va attaquer, il va jeter des éclairs avec ses yeux. Oui, c'est bizarre. Bon, Oli, ça te plaît? Moi, je vais me cacher, hein. Bon, je pense qu'elle a apprécié. Après, alors, après, vous pouvez retourner normal et on peut rester comme ça. En gros, bon, je pense qu'on va conserver ça. J'ai trouvé ça aussi. Non, dégage, faut pas que tu me vois, j'ai pas envie de mourir. Oui. Voilà ton arme. T'inquiète, allez. Pourquoi mon arme est violette? Non, ouais, mais toi, j'ai décalé parce que tu bloquais. Bon, alors, je vais te jeter comme les dates, tu te transformes aussi, ok? Bah tu vois, t'as fait pas mal. Ouais, t'as raison. Bon, allez, maintenant, je regarde dans mon calendrier, qu'est-ce que je pourrais te donner? Non, c'était encore pire. Et nous. Ouais, nous, on a survécu à... Eh, pourquoi moi, j'ai pas d'argent? Parce que je suis... Je voudrais bien... En fait, c'est que... Une arme qui se passe bien. C'est pas ça. Bah, regarde, moi, j'ai pas d'argent. Moi, je suis sauté dans la tige. C'était très mal. Très mal. Allez. Elle fait très mal. Tu jettes une flèche sur quelqu'un, la personne se transfère ça par moi et l'autre. Va parler. Monsieur, je peux essayer. Monsieur, j'ai besoin de vous parler deux secondes. Je vais essayer. Monsieur. Ah ouais, t'as raison. Monsieur. Oui. J'ai besoin de vous parler deux secondes. Ouais, il a vraiment cru que j'allais l'utiliser là. Quoi? Passez sur l'autre canal. Passez sur l'autre canal 7. Non. Pour moi, c'est... S'il vous plaît, bah, juste forcément... Viens, celui qui shoot le plus. Celui-là, je suis pas trop habitué. Tu peux passer, s'il te plaît. Les gars, vous allez passer des entraînements, ok? Vous sautez, vous allez avoir très mal, mais inquiétez-vous pas, on va vous aider. Ah, moi j'ai pas peur. Allez, je vais vous aider. Attends,
Vous qui disiez que ça faisait mal. Moi ça va, j'ai pas eu trop mal. Eh, je suis plus fort que vous. Écoutez. J'ai résisté. C'est pas parce que t'as résisté que t'es plus fort que. Oh. Bon, écoute. Écoute. Maintenant, vous allez apprendre à tirer dans le vide, dans les terres là-bas. Oh. Regardez, nous on va vous montrer une démonstration. Vas-y. Et là, par exemple, si on a besoin, et ben hop, on est protégé. Regardez, tirer sur la. Ouais, mais. Moi, je peux détourner les ennemis comme ça. Je me mets derrière eux comme ça. Attends. Oh, ça fonctionne. J'ai besoin de faire un test. T'inquiète pas. Écoutez, on. Ça passe pas. Avec. Moi, je vais en prendre un. Un qui va prendre des super pouvoirs. Et Justac, il va entraîner les deux pour qu'ils soient des proies là. Pour les moi, je veux des super pouvoirs. Moi, je veux trop son pouvoir d'ombre. Inquiétez ou pas, tu as combien tu vas la prendre. Le pouvoir de l'invisibilité. Moi, je peux le gérer, le pouvoir d'invisibilité, mais je préfère pas l'utiliser. Pas mon pouvoir du tout, c'est moi qui l'ai vu en premier. Ok, tu vas arrêter de pointer le mag. Je pense qu'elle a des pouvoirs. Non, que la fille. Oh. Donc je dois vous apprendre mon niveau d'or, c'est ça? Doudou, Oli, tout. Je sais pas, moi, il nous a amené ici. Avec... Oh. On va voir s'il est. Ok, du coup, alors, un truc. Tu veux gérer quoi comme pouvoir en premier? Ou l'ombre? L'invisibilité. J'en ai mis à l'ombre. L'invisibilité? Je vais lâcher mes armes et bon, ok. Alors, tu vas prendre la grue que j'ai là. Bien, bien. Et en gros, tu vas l'ajouter pour à terre. Ok, si tu la rue du premier coup, on dirait. Vas-y, essaye. Ok, Kitsune, t'es prêt, Oli? 3, 2, 1. Arrive. Oh, ah, voilà, tu le gères déjà. C'était pas compliqué. Bon. Ah. Coucou. Ok, alors là, je vais te donner un truc qui va rester transpercé dans ta main. Transpercé. Et en gros, bah... Ça sera pour faire... Mais non, n'est pas okay. Non, inquiète pas. Au moins que je vais te le mettre, ça va faire, ça va faire une petite douleur, mais c'est tout. T'es prêt? Ok. Oh putain. Aïe. Tiens, maintenant tu peux prendre ça et il va se couler. Je vais peut-être mettre aussi la patte de mon. Non. Ok. Ok, t'inquiète pas. Ouais. Maintenant tu peux prendre cet objet, il va se mettre dans ton corps. Vas-y, prends l'objet là à terre. Attends. Prends l'objet là. Et là, t'as dû t'attoucher le sol et c'est bon, il y aura une bulle. Et là, on est protégé. Mmh. Bon, écoute, on va aller chercher les autres, ok? D'accord. Il prend Kitsune. C'est parti. Dis donc, ils sont déjà en train de. Ça ressemble un peu à Batman, votre truc. C'est vrai que quand tu regardes la télé, tu te dis waouh, il y a personne comme ça qui existe et en quelques mouvements, bah t'as vu, tu y arrives. Ah non, viens, descends avec nous, viens. Bon, alors, allez, du coup, le dragon, il a pris le pouvoir de l'invisibilité et la bulle. Bon, fais du bien l'invisibilité. Et c'est parti. Du coup, nous on a quoi comme pouvoir? Moi je fais jamais la technique, mais voilà, je l'apprends à dragon. Moi finalement je la connais, mais je la fais jamais. Je me dis. Je veux dire, toi t'as un ninja et moi bah je suis juste quelqu'un avec du pouvoir normal. Non, mais tout le monde reste pour des personnes.
Ouais, il est plus mignon que Tio. Parce que elle, là, elle a deux voix, mais nous, voilà quoi. Ouais, du coup, là, je prends... Aïe, c'est normal, c'est mort. Monsieur Vent, j'ai peur. Tu l'as appliqué. Ethan, tu vas prendre Deadpool, ok? Prends la Deadpool et moi, je prends Vegeta et Dragon. Venez. Bon, écoute, du coup, alors, je vais t'apprendre quelques techniques assez cheatées, ok? Moi, je vais faire toutes les techniques, je les ai tous apprises. Là, on va t'apprendre les glaçons, ok? Les quoi? Les glaçons. Les glaçons. Regarde. Prends cette main. Alors là, maintenant, ta main est gelée. Et là, regarde. Ouh, c'est froid. Par contre, j'ai jeté une bulle. Désolé, c'était froid. La prochaine fois, vous pouvez essayer sur quelqu'un d'autre, parce que là, je suis encore gelé. Ouais, et là, tu vas apprendre. Ouais, non, il y a quelques trucs que je peux pas t'apprendre, c'est beaucoup trop dangereux pour toi. Je vais t'apprendre. Non, t'inquiète, je peux résister à tout, vas-y, dis-moi. Alors moi je vais couper. Par contre, Non, jette-la sur toi. Non, sur moi. T'inquiète, je vais survivre. Ouais, ça jette très loin. Et ça peut tuer. Ah ouais, t'as raison. 15. Évite de tuer ton coéquipier, que sinon on sera obligé de te tuer toi avec. Ah, tu m'étonnes que Oli veut te mordre. Bon, écoutez, on peut ressusciter des gens, ok? Je peux ressusciter des gens. Non, pas toi. Ce serait tellement bien de ressusciter des personnes. Bon, alors, bien sûr, au bout d'un moment, on sera obligé d'enlever tous vos pouvoirs. Vraiment, eux qui les gèrent bien, ils pourront rester des super-héros. Je pense que ça va plaire à Oli de retourner sa femme normale. N'est-ce pas? Donc tu nous fais pas confiance alors, prendre les pouvoirs. C'est qu'en fait, je vous ai appris des techniques de ninja quand même. Ouais, mais tu nous fais pas confiance. Si, mais... Vas-y, on va essayer pendant un jour, et si c'est bien, tu nous les laisses. Ok. Toi, attends, toi, je vais juste te faire... Voilà. Ouais. Tu penses vraiment que tu vas réussir à les contrôler, tes pouvoirs? Ouais, t'inquiète, tu vas voir. Alors, ok, après, je quitte la vie. Comment tu t'appelles? Mon nom, c'est Sky. Ok, Sky. Oui. Je dois te prévenir que, toi, tu peux redevenir normal et tu peux te remettre en super-héros. Attends, je vais m'entraîner. Non, écoute-moi, ça sert à rien. T'as pas de force. Si, j'en ai. Regarde, là, une droite, et ça te fait mal. Tu sais faire seulement ça? Tu me l'as fait et ça m'a fait pas mal. Bon. Je suis désolé, mais... C'est toi qui sais pas les contrôler. Bon, évite de me tuer. Bon, regarde, j'ai contrôlé mon pouvoir. Et voilà. Bon, écoute, Sky. C'est fait exprès. Ok, on m'a laissé tout seul. Vas-y, je reviens. T'as vu que je l'ai contrôlé. Oui, mais c'est pas parce que tu sais faire ça que Écoute, trouve un grave danger. C'est la ville. On est dans la honte. Tu comprends ça? Mais non, mais oui, mais fais-moi confiance. Non. Non, mais t'es chiant. Regarde la météorite. Tu crois que t'arriveras à arrêter la météorite? Bah ouais. Parce que avec tout ce que tu m'as donné. Si je claque des doigts, tu meurs. Oli, reviens. Je veux avoir. J'ai un pouvoir que j'avais, mais que personne ne savait. En fait, j'en ai pas. Ouais, enfin, si, je rigole. Il est nul. Quelqu'un est mort. Une plante. Enfin, une plante. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est mort au Sky. Bah non, lui, si j'avais moi. Il était parti. J'avais moi.
Il est mort. Comment? Oui. Pas par la météorite. Qui est mort? Le gars qui est sur la météorite. Personne. Je vais voir ça tout de suite. Non. C'est notre ami. Bah oui, c'est notre ami, on va faire quelque chose. On peut pas le laisser comme ça. Il faut pas qu'ils savent. Non, bon, viens, on va y aller, on va aller voir. Attends. Viens, Sky. Et au fait, est-ce que c'est pas tomber votre navire, ça? Enfin, de votre bateau? Enfin, blair. Hein? Oli a trouvé ça. Oh putain! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Non, pas sur moi. C'est pour détirer les gens. T'arrives plus à bouger? Aidez-moi! Non, je savais que j'aurais pu jamais. En fait, j'ai fait des lames. Bon, jamais ça. Attends. Par. Et mon jamais ça parce que ils vont avoir mes pouvoirs, j'ai pas envie d'être. Allô, les mains plus que moi. T'inquiète. Ok? Donc, jamais tu remets jamais ça. Déjà que ça fait hyper mal. C'est pas de ma faute. Bon, écoute, venez. Vous êtes prêts? Ouais, mais t'as pas intérêt à m'empoisonner. On va aller dormir dans la prison. J'ai demandé si on peut juste dormir ici pour cette nuit. C'est pas on va utiliser mon pouvoir. Je crois quelque chose de plus confortable. Ah oui, c'est vrai, tu m'as enlevé. Oui. Parce que je vois pas. Oh, il me fait même pas peur. Mais oui, mais attends, mais il est où des poules? Non. Viens. Non. Ouais, il est où des poules? Nomade. Non. Mais non, il est où des poules? Qui est mort? Est mort? Personne n'est mort. Je suis sûr, c'est ce ninja qui l'a tué. Arrête. Eh, regarde. C'est mon. Punaise de double, tu l'as tué. Regarde, Oli l'a trouvé. Sérieux? Mais oui, c'est mon double. Ça leur appartient. Qui? C'est là le ninja. Dis-le pas. Attends, je suis sérieux. J'entends juste à crier. Non, j'ai pas crié. Et Oli a trouvé quoi? Oli a trouvé ça. C'est pas à vous. C'est que, en fait, vous avez eu une... pioche pour vous battre. Regarde, ça c'est voilà, moi c'est ça, regardez. Ouais, mais la mienne, elle a des flammes. Et lui, il a une pioche. Il peut brûler les personnes. Lui, il a une batte de baseball qui peut... Oh, qui touche à peine quelqu'un et il... Oui, t'as quoi? Il a quoi? Bon, écoutez, il a un double maléfique, voilà pourquoi. Faudrait partir, non, c'est un double magnifique. On va se tailler, on va se tailler. Il peut pas nous tuer. Faut qu'on s'accroupisse, sinon on nous entend. Mais non, il peut. Il l'active s'il veut. Quoi, c'est bon? Bon, écoute, les gars, nous on va dormir aussi un peu. Attends, je mets plus. Ouais. Sky. Oui. Viens, j'ai un truc à dire. Non, par contre, si vous faites que des masses basses comme ça, on sera obligé de vous. Mais non, t'inquiète, je vais juste dire un truc. Ok, on va. Non, fais pas ça. Mais non, c'est un truc privé parce qu'on se connaissait depuis longtemps. Et j'ai un truc à dire aussi, Écoutez, on te dit pas de secret et on va tout au lit. J'ai un truc à te dire important. J'ai une petite soif. Viens. Oh, attends, bah viens, on va mettre un verre d'eau. Tu n'as pas que c'est mieux du pub, tu m'as tué. Ok, hop. C'est où à boire? Bah moi j'ai pas un truc sur moi. Et l'eau? Bon, écoute, viens. Ethan, je pense que je vais le tuer, il se comporte bizarrement. Il est où l'eau? De qui tu parles? Mais non. Non, tu l'es pas, c'est pas grave. Ils ont des secrets, c'est comme tout le monde.
Eh hey, oh, on tue personne, personne ne tuera personne. Ok, okay. Attends, vas-y, je vais te dire, vas-y, je vais te dire ce que j'ai envie de dire. Dire. Et tu me tues pas, tu me promets que tu me tues pas. Sinon, tu le sauras jamais. Ok, alors, en fait, je voulais dire qu'on dorme plus éloigné de toi. Parce que vous ne vouliez pas parler de Deadpool. Et c'était chelou. Bon, écoute, si on vous dit... Non, tu parles pas de là. C'est pas ça. C'est moi qui parle de ça, si... Si j'ai envie. Tu dis la vérité. Bien. Ok, c'est là, c'est un bout de la... C'est un bout de la météorite qui l'a tué. C'est... Bon, écoutez, je vais vous dire tout. Je vais vous dire tout court. En fait, c'est Deadpool là. Tais-toi. Bon, c'est moi qui l'a tué. J'ai perdu le magnifique. Donc, je vais pas vous tuer. Hein, si tu me passes, c'est mon double qui n'est pas. Tais-toi. C'est en fait, il n'arrivait pas à se contrôler à ce moment-là. Et façon, lui... Mais moi, je dors pas dans le même vachement plus. Hein. T'inquiète, le soir, il est pas là parce que le soir, il a l'intention d'attaquer. Non. C'est pas ça. C'est qu'en fait, Deadpool l'avait énervé. Et en fait, il se contrôle plus quand quelqu'un l'énerve. J'ai oublié de vous dire, mais si vous l'énervez, je crois que... Si vous voulez, je dors dans une autre chambre. Les gars. Moi aussi, moi je vais tout en haut, d'accord. Les gars. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Oh, pourquoi les gens? Il n'y a pas un des gens. Oh, les gens. Ah, merde. Ah, voilà. Please, elle est où ma chambre? Vas-y, c'est bien, il n'y a pas de chambre. Non. Moi, je vais dormir dans le fauteuil, dormez chacun dans un lit, inquiétez-vous pas. Au moins, c'est mieux que de dormir avec lui. Peut-être peut dormir. Allez, là, la chambre. Au lit, elle prend plus de place. Ah, mais oui, mais c'est vrai que maintenant, elle est plus la nuit. Oh, bonne nuit, hein. Ouais. Bon, les gars, c'est la fin du RP. J'espère que vous aurez plu. Likez et abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.